Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la présentation d'un livre et aussi pour une réconciliation avec un artiste. Vous allez comprendre, j'ai reçu un livre aujourd'hui et je vous en avais parlé, je pense, dans mon Color and Chat, que j'avais eu de la difficulté à recevoir ce livre-là puisque Amazon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais en tout cas, ça a été long, mais là, je l'ai reçu. Donc, je sais pas si mon cas. C'était pas dans le vlog que je devais parler de ça, c'était dans le Color and Chat. En tout cas, peu importe, je sais pas si cette vidéo-là va être sortie, mais vous allez voir si jamais un Color and Chat sort bientôt, ben vous allez voir, je vous ai parlé de ça, mais là, c'est réglé, je l'ai reçu, mon livre. Donc, je vous montre. C'est ce livre-là. Bon, là, ma caméra est trop haute. Je vais tenter de régler le problème. Donc, voilà, je suis revenue. Donc, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous en rappelez, mais ça fait longtemps, je vous avais dit que j'avais les livres de Kelly Horton et que, ben, je les coloriais pas, que j'étais déçue à cause qu'il y avait des trop petits détails dedans et puis tout ça. Mais, ça, c'est son nouveau. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Je crois que ça doit faire peut-être à peu près 2 mois qu'il est sorti. Donc, c'est The Darling Collection Portrait. Et là, moi, je vous montre ce que moi, je possédais déjà de cet artiste-là. Après ça, je vous fais découvrir ce livre-là. Donc, moi, j'avais celui-là, le Little Darkling. J'avais le Storybook Darling et le Christmas Darling. J'en avais un autre que j'avais échangé avec Mélissa, puisque ben, je ne les coloriais pas, puis elle, elle le voulait. Donc, c'était... Little... C'était quel l'autre que j'avais? Je me rappelle plus, mais il y en a un autre, là, c'est une fée qui est dessus et le livre est vert. Je vous le mettrai dans l'écran pour que vous puissiez vous situer. Mais j'avais fait un échange avec Mélissa Hart parce qu'elle, elle le voulait. Et vu que moi, je ne coloriais pas dedans, bon, ça ne me dérangeait pas. Mais là, je me suis réconciliée avec Kelly Horton grâce à ce livre-là. Donc, il m'en manque 2 pour compléter la collection. De ceux-là, hein. Elle a un autre petit livre, mais c'est des, ça se trouve être comme on dirait leurs enfants ou leurs petites sœurs, je sais pas, mais c'est des plus petites poupées, mais je l'aime pas. Donc, ben, il m'en manque 2 pour compléter la collection, qui est le Steampunk et celui que j'avais échangé avec Mélissa. Je vais le racheter. Donc, ben voilà, je suis contente parce que au moins, ben, ils vont me servir, je vais pouvoir les utiliser. Je vais m'y faire, hein, aux petits détails, à un moment donné. Mais ce livre-là, il est trop, trop beau. Donc là, je vais arrêter de vous faire languir et on va le découvrir ensemble. Et moi, avant de l'acheter, je n'ai pas vu aucune présentation sur YouTube. J'ai essayé d'en trouver, puis j'en ai pas trouvé. Donc, c'est pour ça que je vais vous le présenter. Peut-être que j'ai pas vu, hein, mais j'ai écrit le nom du livre et j'ai pas trouvé. Je voyais les autres, mais lui, non, je l'ai pas vu. Donc, celui-là, c'est plus centré sur les portraits et on dirait qu'il y a moins de petits détails dedans. Il y en a un petit peu, mais moins que dans les autres, je trouve. Et je les trouve tellement belles. Ils ont toutes des coiffures différentes, des styles différents. Vraiment, j'adore. Quand je l'ai reçu, je capotais. J'ai dit, mon Dieu, elle s'est améliorée. Mais c'est certain, hein, on veut pas les... C'est comme n'importe qui. Les artistes aussi s'améliorent à force de dessiner. Donc, vraiment, je suis trop contente de ce petit livre-là. Et là, je voulais me dépêcher à vous faire la vidéo parce que j'ai vraiment envie d'aller essayer d'en colorier une. Donc, vous verrez ça dans mes coloriages terminés du mois. Donc, ça, c'est la dame qui est sur la couverture et j'ai envie de la faire pareil parce que moi, la couverture, je savais pas hein, ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas d'extrait sur Amazon. J'ai pas trouvé non plus sur YouTube des présentations. Donc, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais la couverture, je la trouvais tellement belle, je me suis dit, bon, je me réessaye. Puis, au pire, si j'aime pas, ben je le revendrai. Mais non, franchement, j'adore. Et là, ben je suis contente parce que ça me tente d'aller dans mes autres. Je me suis dit, tu vas réapprendre à les redécouvrir. Et puis, je me rappelle que quand je les avais eus, mes autres livres, j'étais contente. Je les aimais. Mais je sais pas, à un moment donné... Moi, je change souvent d'idée, hein. Là, je voyais les petits détails, puis ça me décourageait, mais là, je me dis, quand je colorie dans mon Luna, il y a plein de petits détails, puis j'aime ça. Fait que je vois pas pourquoi j'aimerais pas colorier dans ceux-là. Et là, c'est différent de ses autres livres dans lui.
Parce que à chacun de ces, là vous avez vu, hein, il y avait toutes les miniatures de ce que l'on retrouve dans le livre à la fin. Il fait toujours ça. Et à la fin aussi, moi je trouve que ça ne sert pas vraiment à rien, mais il y en a qui aiment ça. Donc, les autres livres, ce qu'il y avait, c'est on voyait tous les personnages qu'on retrouvait dans le livre. Celui-là, c'est le Christmas. Et il y avait des noms. Tandis que dans le nouveau, il n'y en a pas. Et dans lui, ben, on avait des trucs pour se pratiquer à faire des choses comme ça. Donc, à chacun de la fin de ses livres, il y a tout le temps des petits trucs de même. Il y a des fois une place pour faire un nuancier ou pour tester les pots. Il y en a-tu un dans celui-là ou c'est dans les autres? Ouais, celui-là, c'est pour pratiquer les pots et les cheveux, qu'elle dit. Sauf que je trouve que dans lui, c'est un petit peu plus intéressant parce que le visage est plus grand. Là, je vais regarder dans le Storybook Darling. Celui-là, c'est sur les princesses. Est-ce que j'en avais fait un? Je crois que j'en avais fait un dedans. J'avais fait, il me semble bien que j'avais fait. Ouais, j'avais fait Maléfique. Je m'avais vraiment frappé celle-là. Je m'étais bien amusée à la colorier. Mais je crois qu'aujourd'hui, je viendrais peut-être la reprendre. Je viendrais reprendre certains détails pour essayer de l'améliorer parce qu'il y a des trucs que je ferais différemment et je ne l'ai pas photocopié, hein, bien évidemment. Et c'était ma préférée dans le livre, mais bon, c'est pas ça que je veux vous montrer, là. Vous savez comment je suis ma mère. Donc, voyez, là, lui, nous montre tous les noms des princesses. Dans le fond, celui-là, c'est sur les princesses de Disney, hein. Donc, ben, je sais pas si c'est tout Disney, parce que Dorothée, là, Magicien d'Oz, c'est tout Disney. Je sais pas. Donc, en tout cas, bon, à la fin de chacun des livres, on a tout le temps des genres de petits trucs pour se pratiquer. C'est différent de livre en livre, mais ça se ressemble pas mal. Tandis que dans lui, les visages sont vraiment plus gros et vous pouvez écrire, vous pouvez faire des tests et écrire, bon, votre base pour votre peau, ben, ça va être celui-là, l'ombre, les couleurs plus chaudes, la zone de lumière et le blush. Et vous pouvez venir vous pratiquer sur ces visages-là et écrire vos numéros. Donc ça, moi, je trouvais ça super le fun. Tandis que le visage est plus grand, ben, ça nous donne plus d'espace pour se pratiquer. Et là, dans les deux premiers, vous aviez les zones. Il vous montre les zones où est-ce que vous pouvez appliquer. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, il s'est dessiné. Il y a des zones pour vous montrer où est-ce que la peau doit être. Sur les deux premiers et sur l'autre, on n'en a pas. Donc, on peut se pratiquer pour ça. Sinon, ici, on peut pratiquer les couleurs, voir les combos, on peut les écrire. On peut pratiquer pour les cheveux, écrire des combos aussi. Encore pour les cheveux. Ensuite, ici pour les yeux, si vous voulez pratiquer. Et même qu'ici, il y a un petit index qui nous dit comment placer nos couleurs dedans. Vous voyez, 4 shades of color needed. Donc, dans le fond, vous avez la couleur numéro 1 qui va dans le haut, le 2, le 3 et le 4. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Et ensuite, pour chacune des pages, de chacune des dessins, vous pouvez venir mettre le nuancier ici que vous avez utilisé pour chacune des pages. Donc, moi, ça, je trouvais ça super intéressant. Admettons que je ferais celui-là. Mettons, c'est la page 5. Bien là, à la page 5, je viendrai colorier toutes les ronds pour que je me rappelle de quelle couleur que j'ai utilisée dans le livre. Donc, je trouvais que ce qu'il y avait à la fin de celui-là, c'était plus intéressant que ceux qu'il y a dans les autres livres. Donc, je suis super contente. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. De toute façon, si vous cliquez sur celui-là, ben, vous allez avoir accès probablement aux autres. Donc, là, elle a en tout, moi, il m'en manque deux, donc elle a 6 livres mais, à date de les grandes. Sinon, il y a des petites aussi. Donc, voilà. Alors, c'était pas une vidéo trop longue, mais je trouvais ça le fun de vous dire que je me suis réconciliée avec Kelly Horton et je suis super contente. Donc là, je vais aller tester ça. Je vais essayer de faire un personnage, voir comment je m'en sors, comment je place mes couleurs, et puis voir si je m'amuse. Et là, il y a le steampunk qui a l'air d'être super beau lui aussi. Donc, vous verrez probablement ça prochainement sur ma chaîne. Donc, voilà, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la Banque Coulo de Zazou, qui est sur Facebook, c'est mon groupe de coloriage, on s'amuse comme des petits fous. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.